Salut tout le monde, c'est FrankSfeed. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau unboxing. Attendez, j'ai peut-être tourné la GoPro. Pas sûr que vous me voyez. Bon, ça doit être possible. Donc on se retrouve pour un nouveau unboxing pour encore des Turtle Beach. Mais cette fois-là, c'est les Air Force XO4. C'est les Turtle Beach XO4. Je sais pas si c'est XO ou je sais pas. En tout cas, casque de jeu haute performance pour console Xbox One, puis marqué numéro 1 en gaming audio. Fait que c'est celui-là pour Xbox One. Comme ça, j'ai de bon pour commencer à faire des vidéos sur Xbox One parce que je faisais pas de vidéos parce que j'avais le petit casque cheap là. C'est pas celui-là, mais c'est un peu style ça. Bon, ça qui vient avec. Ça, c'est un casque d'ordi pour faire des vidéos ou n'importe quoi. En tout cas, c'est un petit casque cheap. Mais ça ressemblait à ça, tu savais c'est quoi, ça servait une Xbox 360, t'avais un petit casque cheap qui venait. Fait que là, je peux pas faire de vidéo parce que moi je vais prendre sûrement mes liens à Saint-Torto pour me faire un micro. Puis là, ça aurait fait du son de la TV dans mes micros, puis ça aurait fait une qualité de merde. Fait qu'on va ouvrir ça, un petit unboxing des Turtle Beach, mon deuxième avec des Turtles. Donc, je vais pas ramener mon cutter. Parce qu'on va essayer d'ouvrir ça le plus vite qu'on peut. C'est quoi que je trouve à ça? Ah, ça va être pas pire. Avec un crayon. Il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème. Bon, on est parti. Comment c'est que ça s'ouvre? Celui-là, il est ouvert. J'ouvre ça à l'envers. Ah, il y en a un autre ici. Fait que ça se peut que je prenne la GoPro à m'amener pour vous montrer ça. J'aurai toujours une boîte avec un crayon. Bon, normalement, ça devrait sortir. Ok, faut-tu que je la sorte? Ah, et voilà. Ça va mettre ça là. On prend la GoPro. Donc, dans le fond, ça s'ouvre d'un petit pack comme ça. C'est un quand même. Comment qu'on rouvre cela? Moi je suis pas vraiment habitué d'ouvrir des boîtes de Turtle Beach. Ou des boîtes dans même tout court là, fucking là, tout ça. Ah, qui je pense? Ah, il y a encore du tape. Il y a encore du tape. Donc je sais pas quelle sorte de vidéo ça va donner. J'espère que ça va être pas pire. Bon. Et voilà. Est-ce que je vous fais du bon bord? Non, ça doit être comme ça. Bon, quand on l'ouvre, c'est là. Bon, on va enlever un peu de stock. Bon. Et là, c'est quoi ça? Des adaptateurs. En tout cas, des livres, des affaires d'instructions. Ça, c'est quoi? Allez, on va regarder ça. La GoPro, elle se promène parce que je check jamais pas. J'ai jamais pensé à mettre ma GoPro quelque part, j'ai même pas d'affaires pour me mettre sous moi. Ah, ça doit être des stickers, ça. C'est donc bon. Ici, la nouvelle affaire de Xbox qui vient tout juste de sortir, c'est le fil qu'on va plugger dans le fond au bout. Qu'on plug au bout de la manette, dans le fond. Ça, c'est changeable. Mettons que ça brise, je vais pas aller la rechanger pour en racheter un nouveau au Walmart. Parce que quand c'est Xbox 60, moi j'avais brisé le bout du fil, puis flux, je m'en rajoute des Turtle Beach, je vais vous rappeler. J'avais fait un unboxing. Le fond, allez, on va sortir. Regardez. On va juste reploguer ça ici. Puis c'est ça. Ça va garder tout plein d'options dessus. Je sais pas c'est quoi, Edouard. Je peux dire qu'ici il y a un endroit pour aller des amis. En tout cas, ça, je sais pas si c'est le bon. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment bien fait. On va rentrer celui-là. Parce que moi, tantôt, je vais te mêler quand je vais repluguer ça. Bon, ici, ça, je crois que c'est le micro. On peut en plugger un autre, sûrement. Ça fait que ça, c'est le micro de base. Donc, c'est le micro. Bon, on va ouvrir ça. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de faire le moins possible. Et voilà, les Turtle Beach. XO4 ou XO4. Ça, c'est l'USB pour je ne sais pas quoi. Je vais aller des instructions. Bon, et voilà, les Turtle Beach.
c'est quoi l'affaire? On va essayer de pas les briser tout de suite, hein? Ça a quand même coûté cher. Donc, et vraiment la grosse qualité. Waouh! Sérieux, la qualité de tout ça, là. Hey! Aïe aïe! C'est vraiment fou! Attendez. Attends, il y a mes anciennes toiles pour Bitchy. Aïe aïe! Aïe aïe! Non, sérieux, la qualité est immense. J'entends rien autour de moi, là. C'est vraiment fou, raide. Aïe aïe! Donc, on peut les mettre de côté. Ça doit être sûrement pour, mettons, t'as le goût de les mettre comme ça. Tu les mets. Hop, de même. Tu les enlèves. Fait que, sans masser, je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus proche. Regardez. Là, le dedans. Parce que vraiment, le prix, il vaut les écouteurs, sérieux. Aïe, aïe. Vraiment, quand je les mets, j'entends vraiment plus rien autour de moi. Donc là, j'ai hâte d'essayer ça en jeu. Ah, ils sont vraiment, vraiment belles. Donc, je suis quand même très content de mon achat. Regardez les anciennes Torture Beach X12 que j'ai, elles sont emmêlées. Ça, c'est mes premières. Hein. C'est vraiment moins de qualité. En tout cas, sérieux, le prix, il vaut. Les amis, si vous en voulez, c'est sûr que pas tout le monde sont encore sur Xbox One. Mais si vous en voulez, sérieux, vous vous tromperez pas avec ça. Les X04, de toute façon, je vais l'écrire dans le titre. Donc là, je vais refermer un peu. Donc, je sais que c'est un petit unboxing un peu bizarre parce que moi, je peux vraiment pas habituer de faire ça. Ça fait un peu marrant tout ça. On va mettre là la facture. Fait que merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos de ce temps-ci. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais pas de cash, j'avais pas rien. Là, faut que je check aussi parce que, tu sais, les gars sont sur Xbox One. J'ai ça fait une vidéo qu'eux autres, mais tu sais, c'est à Xbox One, j'avais qu'à mettre voix de la TV, puis ça enregistrait sur mon HDPV. Là, je sais pas comment que ça va marcher, donc il va falloir que je check ça un peu avec les gars s'ils veulent. Mais d'un peu là-dessus, c'est qu'il doit y avoir des vidéos de Battlefield 4 ou Titanfall qui arrivent. J'ai rien que ces deux jeux-là pour l'instant. NHL 14 sort dans 2 semaines, le 9 septembre, je pense que c'est dans 2 semaines. Je pense vite de même. J'aimerais sûrement faire une série en Ultimate Team. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui aime NHL, mais pour moi, je vais aimer ça faire ça. C'est une petite série comme ça. Pour le monde qui va aimer ça, ben, je vais peut-être amener des nouveaux abonnés. Donc, ceux qui vont avoir sûrement du Battlefield 4 ou du Titanfall, je vais s'en mettre dans pas long. Ça fait que merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.